Aujourd'hui on se retrouve sur Super Kitty qui est un jeu super rageant. Même si ce mec a l'air très mignon, il faut se méfier de lui. C'est parti, new game, level 1. Alors les graphismes ont l'air tout mignons, ça a l'air d'être un monde vraiment mignon. Regardez, c'est super joli. Laisse-moi passer. Voilà, on est bien. Le mec a fait un jeu rageant, ok, mais il a au moins le mérite d'avoir fait des graphismes super cool quoi. Voilà, ça y est, c'est parti, ça commence. Oh, raté. Je m'étais éloigné, je m'étais méfié mon gars hein. Oh putain, ça va être quoi? Ah, les enfoirés. Nope. Mais attends, mais j'ai... Ah ouais, putain, faut réagir vite, hein, moi, je vous le dis, hein. Ouais, oh là, checkpoint. Et eux, je peux les tuer? Ah, alléluia. Ah non. Ah, j'ai que 5 checkpoints. Mais non, mais j'ai appuyé sur checkpoint. L'arnaque. Attends, attends, attends. Ah oui, non, non. Bah non, toujours pas. C'est bien quand on connaît les pièges, on peut vanner le jeu, hein. Même s'il nous entend pas, donc finalement, on passe pour un gros teubé. Ok, alors. Oh, j'ai même pas fait exprès d'activer ce piège, quoi. En fait, j'avais carrément vu venir et tout, c'est totalement fait exprès. Hop là, la fusée. Eh, il est beau le jeu sans déconner, hein. Ah. Eh, vas-y, ce fameux coup du cube là en l'air, putain, c'est même pas original. Mais j'appuie sur le checkpoint, il me remet au début. J'appuie sur le checkpoint, mon gars. À quoi sert ce checkpoint en fait? C'est du troll, c'est du pur troll. Alors, oh, attendez, c'est quoi ça? Il y a un bouton qui vient d'apparaître. Me dis pas que je meurs. Mais non, mais putain. Mais non, mais non. Mais non, mais ça c'est drôle. Et regardez, là j'appuie sur le drapeau. Et il me remet au début, ce gros con. Oh, mais non, mais elle m'a fait peur carrément. On le fait en rush, speedrun, speedrun. Oh, moi j'ai pas peur du deuxième, moi. J'ai pas le temps, je l'attends pas, voilà. Il y avait du feu. Mais non, son empreinte capillaire était différente des autres, lui. Il y avait un léger trait feuté. Là-haut, il y a un mec au feu. Attends, ils arrivent, ils vont tomber. Oh, les... Mais le drapeau, à quoi il sert? Putain! C'est le drapeau le plus diabolique que j'ai vu, quoi! Faire semblant de mettre des checkpoints, c'est comme un truc de fourbe, quoi! J'atterris sur le seul cube des 20 000 cubes qu'il y avait qui. Putain! Je sais pas pourquoi je me justifie, y'a pas besoin de se justifier. Ah, 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 ah. J'ai eu un pincement au cœur tellement j'étais déçu! J'appuie sur le drapeau, le. Attendez, on peut acheter des choses? On peut acheter des checkpoints, d'accord. Non mais c'est honteux, mais c'est scandaleux. On peut payer des checkpoints. Mais moi j'avais 5 checkpoints gratuits et je les ai jamais vus. Mais je... Regardez, j'en ai un. J'appuie dessus délicatement. Ok, c'est fini la délicatesse avec ce jeu de merde. C'est dommage parce que quand on rage, finalement on n'est pas violent avec le jeu, on est violent avec la tablette, hein. Allez, 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 don't worry, be happy, don't be underscore, like your life, Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc là, faut que j'attende qu'il tombe, je pense. Voilà. Me dis pas qu'il fallait passer en bas, hein. Attendez, toujours sauter avant pour vérifier. Ok, on peut y aller. Ah. Mais mec, quoi? Mais putain. Mais non, mais j'ai vérifié juste avant. Ouais, encore plus long, s'il te plaît, le signal sonore qui t'indique que t'es un bon gros loser. Allez. Ah. Oh, t'as vu, direct sur la lune, hein. Oh. Oh putain, j'aime pas fait exprès. Lui, j'aime pas parce qu'il a un casque, donc il est très très fort. Mais on y va, bah les steaks, mon gars. Nope, 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 nope. Faire quoi? Mais je fais quoi, là? Je peux lui sauter dessus, là. Ah. Allez, barre-toi. Je crois qu'il va revenir. Oh. Oh. Ok. Là, il y a un piège. Voilà. Checkpoint. Mais attendez, mais j'ai fait tout ça. Tout ça. Il y a encore un checkpoint. Elle est où l'arrivée? Il y a un arc. Oh, mon dieu, qui est cet homme? Je dois faire quoi? Ah, ok, d'accord. Allez, tombe sur sa tête. Je t'ai des putains d'oiseaux. Voilà. Non. J'ai raté. Il faut que je passe juste après lui, alors. Ah. Ah non, mais même son casque il me tue quoi. Ok, d'accord. Je connais tout par cœur, on ne pouvait plus rien contre moi. Plus rien, mon gars. Mais non, mais j'ai appuyé. Oh là là, mais cette humiliation. En plus, comme par ça, ça m'arrive au moment où je suis en train de narguer le jeu finalement. Hein. À croire qu'il m'entend, hein, ce putain de jeu. Hein. J'appuie, voilà. Ah. Ah. Oh, j'aime ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, cher voisin. Personne n'est mort dans cet appartement. Enfin, pas depuis que j'y habite en tout cas. Après, ce qui s'est passé avant, ça ne me regarde plus. Putain, mais c'est toujours la même chose ces jeux. C'est toujours pareil. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. J'arrive pas à finir. Ah, mais attends. Ah oui, t'attends là depuis 2 heures dans l'espoir de tuer un pauvre petit chat mignon. Faut que je fasse une feinte. Voilà. Allez, on va l'appeler Tommy la fusée. Là, faut que je saute dessus. Eh, fusée. Non, mais faut rester appuyé pour sauter plus haut. Putain. Cette fois, on rate pas, hein, je vous le dis direct. Boom, bitch. Ok, donc c'était cette histoire d'arc. Cette fois, on va pas se faire avoir. Tiens, bitches, tu vois plus rien, tu tombes dans le trou. Désolé pour les oiseaux. Allez, on y... Oh, putain, j'avais oublié de sauter. Wouh. Oh, la porte du paradis. Level complete. S'il vous plaît, au montage, Lucas, je veux que tu mettes ça partout sur l'écran. Encore. Un level complete là. Ah là. Ah, partout.
Au niveau de mes tétons aussi. J'en ai marre. Oh yes. Allez, niveau suivant mon gars. Si vous avez aimé notre jeu, on apprécierait que vous le notiez. Not now, bitch. Ah là, faut que je le chope à l'arrivée, c'est ça? Là? Ok, 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 ok. Viens là, jeune art, je suis impatient. Oui. Ok. J'ai appuyé sur sauter et hop là, checkpoint. Mais non, mais en même temps que le alléluia, quoi, comme si le drapeau voulait ma mort. Moi, je vous ai dit que c'était diabolique, ce putain de drapeau. Va-t'en. Allez. Pourquoi ce jeu attend que je me moque pour me buter? Bute-moi avant que je me moque, comme ça je suis moins humilié auprès de mes abonnés. Et pourquoi il y a plus de son? Une prise jack a été débranchée. Bah oui, mais ça c'est Raining Man ça. L'arc il s'en va pas. L'arc il s'en va. So many. Est-ce que vous avez vu Catin des Bois? Bah Catin des Bois c'est ce chien. Vous avez compris le jeu de mots? Cat égale chien en anglais. Ouais, allez, on saute et on danse. Ici le nouveau tube de Magic System. Oh, oh, un appel? Oui, c'est sur Supra Gaming que Supra il arrive bien à faire des faux appels comme ça, il décroche n'importe où sur son bras. Non! En fait, ce qui m'énerve, c'est même pas le piège, c'est de me faire avoir de la même putain de manière à chaque fois. Viens là! Viens là, c'est pas le Catin d'Oston! En el tro de la vida! Hop là, j'attrape l'arc en l'air parce que j'ai pas le temps, m'appelle Catin des Bois, c'est pas pour rien, mon gars! Ensuite, quand ça c'est là, je shoot dedans, ça tombe dans le piège, ça l'active. Et là! Mais pourquoi dedans? Baby do that, do that, baby do that, do that, baby do that, je dis des paroles alors je connais rien, do that. Ah mais mec, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je te libère, je te décroche, c'est tout, mais tu m'accroches et là mais je fais des rimes, oh ça se poche. Ah j'étais pas prêt aujourd'hui, franchement aujourd'hui j'étais pas prêt à jouer un jeu comme ça, vraiment. Oh ça fait du bien, oh oui, oh oh, bon bah les steaks de ton piège mon gars, je ne crains rien ni personne. Il y a un piège là. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je n'abandonnerai pas tant qu'on n'aura pas passé le niveau 2. Pousse-toi de là, mon gars. Et hop, et non, et non, et non. Non, 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 baby, non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Je chante 28 chansons à la fois parce que je rage 28 fois plus que d'habitude. Et je m'en bats les steaks comme un libiscus. Stradivarius. Oui, c'était un placement de produit pour Stradivarius, hein. Squeezie, c'est scandaleux. Ah Bershka. Voilà, maintenant quand je rage, je dis le nom de boutique de filles. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un, hein? Ah bah certainement pas aux filles, hein. Ah, H&M. Je suis désolé, non, là je m'emporte trop et ça ne correspond pas. Voilà, c'est pas moi, ça c'est quelqu'un d'autre. Et voilà, je voulais m'excuser à tous ceux qui ont cru que j'étais devenu quelqu'un d'autre pendant un moment, que j'avais changé, que j'avais pris la grosse pastèque, sa mère, le steak haché. Parce que vraiment, je suis resté le même depuis le début. Lucas c'est moi. Et voilà, voilà, je voulais juste que vous sachiez ça. Au passage, dis juste le nom d'une boutique de filles. Merde. Jennifer, voilà, on continue. Alors là, il était où le piège? Il y avait un piège, je sais plus du tout où il était. C'était là. C'était là. Là, il y a un piège si j'ai vu. Non. Alors, j'ai pas dit le nom de boutique de filles, donc ah oui, il y a un truc en ligne. Miss Coquine, voilà. Putain. Putain, sacré nom, je sais pas qui est le mec qui a décidé que ça allait s'appeler Miss Coquine, mais en tout cas, c'était un sacré mec bizarre, c'est lui qui a pensé à dire coquin et tu sors direct. Ah, on a passé ce putain de piège et ça c'est un piège et où est le piège? Où est le piège? Oh putain, fallait que j'attende là comme ça, que j'attende. Et j'attends et j'attends. C'était super violent. Alors, on attend sagement notre arc, notre bow en anglais. Ah ouais. Moi je propose qu'on le rejoigne. Là, là, vraiment là vous imaginez pas le self-control qu'il m'a fallu. D'ailleurs on n'a pas dit de boutique de filles. La redoute, voilà c'est mix mais je m'en fous, ok. Et si quelqu'un a un doute ou qu'il redoute la suite des événements, qu'il contacte mon avocat pour cette blague nulle au 07777777 balestec. Allez viens Tanou. Ah on l'a, c'est bon. Hop là, mais t'as cru quoi mon gars? Mais qu'est-ce qu'il a cru le mignon? Il a pas cru de rien. Ta 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 ta. Y a un piège, faut que je saute au bon moment. Je n'ai plus les mains pour me réconforter. Tout ce que je... Mais par contre j'ai juste mes yeux pour pleurer. Ouais, parce que je suis un peu chanteur aussi. J'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Squeezie Cover. Voilà, je fais des covers de sons par exemple je fais aussi des chansons juste en insultant. Oh, de l'opéra. Putain, je suis désolé les gens, mais là je vous promets que j'en peux plus. J'en peux plus, il est horrible ce jeu. Il est horrible, j'ai pas d'autres mots. Je sais pas, j'arrive pas, je...
D'habitude on se démerde un peu au moins, mais là franchement c'est vraiment c'est de la mort gratuite quoi. Regardez-moi ça, hop là machin, il y a le cube, il y a le truc, on comprend rien, il y a trop de machin à la seconde. Hop là, là je sais qu'il y a un trou, là je sais qu'il y a un trou, faut que j'aille là, je l'attends ici. Je vais déclencher ça en attendant. J'ai pas réussi, je déclenchais ça en attendant, j'ai dit oh non. Non. On va acheter des checkpoints les gens. On va acheter des checkpoints. Je pense qu'on va acheter... C'est une blague putain, mais non, on se rabaisse pas à ce niveau bordel. Arc in the pocket, trou esquivé, FDP, DTC. Ah, j'ai sauté. Maintenant ça suffit les bêtises à un moment. Il faut se ressaisir monsieur. Tu vas aller au coin, moi je te le dis. Tu finis au coin. Hop, t'as été pas sage. Vilain garçon, vilain. Non, non. Lucas. Oui. C'était rien. Lucas. Non mais y'a rien du tout. Ouais, je veux finir de travailler. Je veux finir de faire ma vidéo. Ah non mais regardez là, laisse-moi travailler s'il te plaît. Vas-y, tu veux dire bonjour, si tu veux on fait, y a pas de problème. Aujourd'hui y a pas de problème, c'est gratuit. Regarde mes cheveux, ils le disent, c'est gratuit. Et voilà les gens, on se termine sur ça parce que j'en peux plus. Au revoir. Ne vous inquiétez pas, il va parfaitement bien. Hein. Malheureusement le jeu aussi, et j'aurais aimé que le jeu décède en tombant. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait une petite distance entre un fauteuil et un mur. Voilà, bravo Lucas. Bon et bah écoutez genre c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Contrairement à cette coupe de cheveux, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo ou je sais pas trop quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé, je suis désolé, je suis à bout. Il y a mis hors de moi, je sais pas, aujourd'hui j'étais vraiment pas prêt à jouer un jeu comme ça, j'avais envie de tout sauf de ça. Et ma coupe aussi, elle avait envie de tout sauf de ça. Regardez là. Je suis une licorne. Encore merci d'avoir regardé, vous êtes géniaux et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace.